Si Fotso Victor n'avait pas su tricoter, il n'aurait jamais pu voir le business qui se cachait derrière. C'est ça que tout le monde jetait. Pour en revenir à Fotso Victor, certes, il avait trouvé du travail, mais sa situation restait quand même précaire. Donc, en parallèle de son travail, il continuait de faire marcher son cerveau pour se demander comment est-ce qu'il pouvait faire pour trouver une autre activité qui lui ramènerait plus d'argent. Un malheur cachant souvent quelque chose de bien. 8 jours après avoir commencé à travailler avec ce tailleur-là, il y a son oncle qui va décéder. Et pendant les obsèques, dans la foule de gens, il va identifier un monsieur dont on parlait beaucoup, appelé Hanfou Mathieu, qui était en fait un très grand agriculteur à Banjul. Donc, il va se rapprocher de ce monsieur-là. Il va faire preuve de beaucoup d'audace et il va dire: monsieur, je cherche du travail et j'aimerais que vous m'embauchiez dans votre plantation. Du coup, monsieur Hanfou va lui dire: bon, ok, viens me voir tel jour dans ma plantation. Dans le jour du rendez-vous, il s'y rend et Hanfou lui donne du travail. Il dit: bon, tu vas travailler là, tel machin, truc. Enfin, bref. Une fois arrivé sur le lieu de travail, il va se rendre compte d'une chose, c'est que 1. Les rendements de la plantation ne sont pas très bons. 2. Les employés ne se donnent pas à fond à la tâche. Donc, il va aller voir les employés, il va leur demander: mais pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas comme il se doit? Je précise ici qu'il était encore nouveau. D'autant est dit qu'il s'est fait massacrer par les employés et ils lui ont fait comprendre que, en fait, ils étaient payés à l'année, donc après les récoltes. Donc, pour eux, ça devenait très compliqué de s'en sortir au quotidien. Donc, ça ne les motivait pas du tout à être efficace au travail. Et là, Fotso Victor va faire preuve d'une audace sans pareil. C'est qu'il va leur promettre de tout faire pour que désormais ils aient un salaire mensuel. Donc, il va prendre celui d'aller voir le boss et de lui faire comprendre que si ses rendements en termes de récolte sont aussi mauvais, c'est très certainement parce que il verse un salaire annuel à ses employés. Et pour eux, c'est très compliqué. Le boss ne va pas apprécier cette remarque parce qu'il va se dire: mais quel est ce jeune qui veut venir m'apprendre comment je dois gérer ma plantation? Il va le renvoyer en le menaçant de le chasser même de la plantation si jamais un truc pareil se reproduisait. Mais Fotso Victor avait quand même réussi à semer quelque chose dans la tête de son boss. On parle là d'un jeune qui n'avait que 15 ans. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint pas le nombre d'années. Donc, par la suite, le boss va donner du travail à ses employés. Il va leur dire: bon, chacun doit défricher un peu plus de 300 mètres carrés dans la surface agricole. Comme il fallait s'y attendre, personne n'a défriché plus de la moitié de ce qu'il devait défricher, excepté Fotso Victor, qui avait même dépassé les attentes du chef en défrichant plus de 300 mètres carrés. Et donc, le boss va les convoquer tout ce matin. Il va leur dire deux choses. Un, vous n'avez pas respecté le travail qui vous a été assigné. La seule personne à avoir respecté le travail qui lui a été assigné, c'était Fotso Victor. Donc, désormais, ça va être lui le chef. Mais il ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il va leur faire comprendre que Fotso Victor était allé le voir pour lui faire comprendre que les employés rencontraient quelques difficultés en ce qui concerne leur paye. Donc, désormais, il devait les payer tous les mois. Et là, Fotso Victor va gagner le respect de tous ses collègues de boulot. Et il ne va pas s'arrêter là parce qu'il va avoir aussi une augmentation de salaire. Et la chose logique qui va s'en suivre, c'est que les rendements en termes agricoles vont exploser. Mais Fotso Victor, avec un cerveau orienté opportunité, va écouter les plaintes de ses collègues. Et chaque fois, ses collègues se plaignaient du fait qu'il fallait qu'ils attendent la fin du mois pour pouvoir acheter de la viande. Et Fotso Victor se dit: tiens, problème, opportunité business. Donc, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va aller acheter la viande à l'extérieur, ainsi que quelques aliments de première nécessité tels que bon, les allumettes, les arachides, des petits trucs. Il va ramener, il va devenir le fournisseur de 1
de deux, de trois collègues. Et puis au bout d'un moment, il va fournir toute la plantation. Le truc va être très florissant, c'est qu'à tel point qu'au bout de 2 années seulement, l'argent qu'il gagnait à partir de son petit commerce était déjà égal à l'argent qu'on le payait en tant qu'employé dans la plantation. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est là qu'en ce moment, il se rend compte que bon, là, ça y est, j'ai atteint un niveau. Maintenant, moi, je veux passer au palier du dessus. Mais si je reste dans cette plantation, je ne pourrai pas faire fructifier mon commerce. C'est donc à ce moment-là qu'il décide de partir de la plantation. Nous sommes en 1947. Fotso Victor a alors 21 ans et décide d'abandonner la plantation pour se rendre dans la ville de Mbalmayo. Parce qu'en Mbalmayo, le commerce battait son plein et Fotso Victor s'était passionné du commerce. Donc une fois dans la ville de Mbalmayo, il va se faire héberger par l'un des amis de son père. Et l'ami de son père, c'était en fait un commerçant de légumes frais. Donc Fotso Victor, logiquement, va lui proposer ses services. Et Fotso Victor va faire une très bonne impression à son hôte. Ceci à tel point que l'ami de son père va lui proposer de travailler pour lui. Ceci afin de lui permettre de gagner suffisamment d'argent et donc plus tard, de voler de ses propres ailes une fois de plus. Donc Fotso Victor va sauter sur l'occasion. Et en parallèle de la vente de légumes frais, il va se construire une petite étable sur laquelle il va poser des cigarettes et des allumettes pour vendre. Certes, les bénéfices générés par ce petit commerce-là étaient très faibles. Mais bon, il fallait bien commencer quelque part. Donc en parallèle, il va garder l'esprit ouvert, l'esprit alerte. À se dire, bon, maintenant je fais ça. Les bénéfices sont faibles. Qu'est-ce que je peux faire en parallèle qui pourrait me rapporter plus d'argent? Comme il avait des compétences en tricot, il savait tricoter, il se rend compte que très souvent les commerçants, une fois qu'ils ont extirpé leurs marchandises des sacs en selsa, eh bien, ils les jettent. Sauf que dans ces sacs-là étaient faits en un fil spécial qui pouvait être utilisé pour tricoter des vêtements. Logiquement, Fotso Victor récupérait ces sacs-là qui lui faisaient de la matière première gratuite, qu'il tricotait par la suite en jacket, en veste, en t-shirt et qu'il revendait. Cette petite activité-là a été tellement florissante, c'est-à-dire à tel point qu'au bout d'un moment, il gagnait même plus d'argent que ce que son boss lui versait quand il vendait des légumes frais. La moralité dans cette histoire, c'est que, ma personne, il ne faut pas avoir peur de commencer petit, mais il faut voir grand, ma personne. C'est hyper important. Deuxième chose, ma personne, si tu veux identifier les opportunités de business, il faut d'abord te former. Oui, ma personne. Je te prends un simple exemple. Si Fotso Victor n'avait pas su tricoter, il n'aurait jamais pu voir le business qui se cachait derrière. C'est ça que tout le monde jetait. Cette histoire prouve à suffisance que les opportunités de business sont de partout. Mais seuls ceux qui ont la bonne formation peuvent les identifier et donc transformer ces opportunités-là en argent. Dans le chemin faisant, les stocks de marchandises de Fotso Victor devenaient de plus en plus gros. Il n'avait plus assez d'espace. Donc, il lui fallait trouver un nouveau local pour pouvoir stocker sa marchandise. Donc, il commençait à se sentir un peu à l'étroit chez son hôte. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va falloir maintenant que lui aussi, pour voler de ses propres ailes, qu'il s'achète un emplacement pour pouvoir faire son commerce. Mais pour s'acheter cet emplacement-là, il lui fallait d'abord une patente. La patente, c'était ce document formalisé là qui permettait aux uns et aux autres de s'installer à leur propre compte. Et c'est là qu'il va se rendre compte que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, ce n'est pas en Afrique qu'est la corruption. Non. Il explique que cette corruption-là avait été importée par les anciens colons. Donc, chemin faisant, il y a des hommes d'affaires très puissants à l'endroit de François Foguet et François Simo qui vont voir qu'il a un certain potentiel et vont lui proposer de les rejoindre dans la ville de Douala parce que là-bas, les affaires battaient de leur plein. Donc, Fotso Victor va les suivre dans la ville de Douala et ils vont l'initier à l'achat de produits en gros. Donc là, il va se rendre compte que plus il achète des produits en gros, plus il diminue ses coûts à l'unité et donc il peut se faire des marges beaucoup plus grandes. Donc il va sauter sur l'occasion, il va commencer à acheter beaucoup de produits en gros pour aller les revendre directement en Mbalmayo. Mais très vite, il va se rendre compte que
il perd beaucoup de temps à revendre sa marchandise directement sur Balmayo. Donc, il va commencer à déléguer. Ceci afin de se concentrer sur l'acte d'achat. Parce qu'il va se rendre compte que les bénéfices dans le business se font à l'achat. Et donc là, il va appliquer la loi de Pareto. Bien sûr qu'il n'avait pas encore étudié la loi de Pareto, mais de manière empirique, il savait qu'il fallait qu'il maximise son temps uniquement sur l'achat et qu'il commence à déléguer la vente à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il recrute son premier employé. Son business va être tellement florissant ici à tel point qu'au bout d'un an seulement, il va avoir 3 employés. Mais aussi et surtout, beaucoup de revendeurs qui avaient des petits points de vente dans la ville de Mbamayo vont commencer à venir se ravitailler chez lui. Et c'est aussi ça qui va faire exploser ses ventes. En 1953, Fotso Victor va décider d'investir son argent dans la pierre. Il va décider de construire des maisons dans le but de les louer à des étrangers. Donc, à la fin de la construction de sa première maison de location, il va se rendre compte que le comportement de son entourage va commencer à changer. Les gens vont le regarder avec beaucoup de respect. En même temps, c'était normal parce qu'il avait à peine 30 ans. Il était propriétaire de biens immobiliers. Il avait plusieurs boutiques dans les environs. Et il était bien la preuve que c'était possible d'être noir, de ne pas avoir de diplôme, mais de s'en sortir dans la vie. Malgré le fait que le business de Victor Fotso connaissait beaucoup de succès, malgré le fait qu'il commençait à se faire un petit nom au sein de la communauté Bamliké, il restait quand même un illustre inconnu aux yeux des personnes qui détenaient le pouvoir politique et économique dans la ville de Balmayo. Ça faisait un moment qu'il lui taraudait à l'esprit de construire un centre commercial dans cette ville-là. Et il se trouve qu'au même moment, il y avait 2000 mètres carrés de terre qui étaient en vente aux enchères. Et ces 2000 mètres carrés étaient un point stratégique dans la ville de Mbalmayo parce que c'était au centre de la ville de Mbalmayo. Et il en avait marre que les meilleurs espaces terriens soient toujours possédés par les Européens. Donc il s'est dit, bon, cet espace, il faut que je l'achète. C'est comme ça que le jour J, il se rend au lieu de la vente aux enchères avec son ami. Et sur place, il se rend compte qu'ils étaient les deux noirs parmi tous ceux qui voulaient acquérir le terrain. Donc quand il entre dans la pièce, il sent les regards méprisants, les regards du genre, mais qu'est-ce que ces deux noirs font là? Ils ne sont pas à leur place ici. Mais bon, il n'en avait rien à cirer. Ils sont allés, ils se sont assis. Et ce qui devait arriver, arriva. Et il réussit à acquérir cet espace à une valeur de 830 000 francs CFA, soit l'équivalent aujourd'hui de plus de 80 millions de francs CFA. Quand il est sorti de la salle, les regards autour d'eux avaient changé. Le mépris a laissé place au questionnement. Et le plus courageux de la salle a osé l'aborder, à lui poser la question de savoir, mais qui êtes-vous, monsieur? Je ne vous connais pas. Que faites-vous dans la vie? D'où venez-vous? Et Fotso Victor ne s'est pas caché de lui faire comprendre que, mais et vous? Qui êtes-vous? Moi non plus, je ne vous connais pas. Donc la réponse qu'il a donnée au monsieur a fait redescendre le monsieur. Parce que le monsieur s'adressait à lui avec une certaine condescendance. Il croyait qu'il s'adressait encore à ses subalternes noirs comme d'habitude. Mais là non, il s'est rendu compte qu'il avait affaire à un monsieur. Et donc le monsieur est redescendu. Il a été beaucoup plus poli. En fait, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que ce passage prouve à suffisance que on ne commande pas le respect. Le respect, c'est quelque chose qui s'arrache. Et comment est-ce qu'on arrache le respect? C'est en posant des actes forts. Donc, quand j'entends les gens se plaindre, ouais, on ne me respecte pas. Ouais, l'Afrique est pauvre. On exploite l'Afrique. Mais personne. On s'en fout de ça. Si tu veux qu'on te respecte, pose des actes forts. Pose des actes respectables. Poser des actes qui vont faire en sorte que les gens te disent oui, tu es prêt. C'est comme ça qu'on arrache son respect. Oui, parce que le monde, c'est la jungle. Le plus fort bouffe le plus petit. Donc, si tu veux te faire une place dans ce monde, il faut que toi aussi, tu deviennes quelqu'un de puissant. Et il se trouve que le monde dans lequel on vit, la puissance est détenue par ceux qui ont l'argent. Donc, chacun doit chercher son argent. C'est vital. Sinon, tu vas être commandé par ceux qui ont l'argent. Donc, si tu as des problèmes avec l'argent, cherche vite à résoudre ces problèmes d'argent. Parce que sinon, tu auras beaucoup de problèmes. Donc, en 1956,
Fausto Victor avait achevé la construction de son centre commercial. Et après qu'il a achevé la construction de son centre commercial, ça n'a pas été de tout repos parce qu'on a voulu lui mettre les bâtons dans les roues à tous les niveaux, mais il a quand même réussi à le construire. Le regard de la communauté européenne sur place a commencé à changer à l'endroit des Noirs en général, mais en particulier à l'endroit de Fausto Victor, parce qu'il venait de prouver que les Noirs aussi étaient capables de faire des choses au moins aussi bien que les Blancs. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et ça va même plus loin, parce qu'après avoir fini la construction de son centre commercial, il y avait même des Européens qui se déplaçaient de Yaoundé pour venir le retrouver dans sa maison en Balmayo pour lui demander des conseils tant en économie que même sur la politique.